J'ai trouvé un véritable pas de côté, l'occasion de rencontrer des collègues, des personnes qui ne sont pas forcément dans le même champ disciplinaire, et des échanges riches, un temps riche en tout cas de partage et puis d'authenticité. Finalement, la complexité de cette compétence, la nécessité de devoir travailler en équipe, apprendre se construit, rien n'est abouti. Et je pense qu'effectivement, le type d'atelier permet de nous pousser un petit peu dans nos retranchements et nous obliger à aller plus loin. Au niveau de l'organisation, j'ai trouvé une organisation relativement fluide. Et ce qui était bien, c'est que tout le monde a été donc acteur sur différents ateliers qui a permis justement d'émerger pas mal d'idées et dont on va avoir le retour rapidement en plénière. La collaboration, ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans un groupe avec des compétences différentes, avec des fonctions justement au niveau de l'éducation nationale, qui a permis justement d'avoir énormément d'échanges entre nous. Et c'est là qu'on voit que l'intelligence collective est très importante au niveau de la collaboration et ce qui permet justement d'avoir des échanges fructueux. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'aspect novateur, l'idée de travailler en atelier et puis ensuite de travailler avec des personnes que nous ne connaissions pas. J'ai appris beaucoup de choses, notamment les différents aspects que convoquait la communication, la posture, la voix, le regard et puis également l'intonation. J'aimerais bien réutiliser justement ces aspects avec mes élèves, d'autant plus que j'enseigne des langues. Alors c'était vraiment des ateliers très, très intéressants. On a pu échanger, collaborer sur des sujets qui étaient vraiment intéressants. Et voilà, les personnes étaient toutes différentes. On a apporté plein d'idées différentes. Alors au niveau de la créativité, c'était intéressant justement de voir des personnes de matières différentes, qui enseignent des disciplines différentes, pouvoir réfléchir sur le même thème, le thème de la créativité. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup d'idées, de choses que j'ai envie de mettre en place maintenant dans mes classes. Par exemple, une web TV, je suis maintenant convaincue sur la mise en place d'une web TV dans mon établissement. J'ai trouvé les échanges particulièrement riches et je pense que ça tenait surtout au fait qu'on était des personnels très différents, sans hiérarchie, enfin des personnes qui sont passées par l'atelier ont essayé de définir cette notion qui est à la fois un état d'esprit et un ensemble de pratiques qui n'est jamais acquis et actualisé et qui nécessite de se questionner et de prendre du recul. Donc ils ont essayé de voir le lien aussi avec l'oralité. Donc là on a parlé d'argumentation, de débat et on s'est dit que ça supposait d'instaurer un climat de confiance et d'avoir aussi confiance en soi, d'oser. Je suis très satisfaite parce qu'en fait, on a travaillé en transversal, c'est-à-dire que j'avais avec moi des collègues d'autres disciplines et d'autres fonctions également dans l'enseignement. Ce qui m'a surpris et qui m'a plu, c'est qu'on nous a permis d'oser et de rêver. Donc on a imaginé un espace, par exemple, plurimodal dans notre salle de classe pour favoriser l'oralité en classe.